great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. Et on part contre les bateaux. On me réveille à 4h30, on pique là. Bah, lui, c'est en pleine forme. En pleine forme. Mmh. Heureusement que c'est les vacances. Hein. Je crois qu'on se lève pas à cette heure-ci. Ouais, c'est pas les vacances, parce que cette heure-ci, c'est pas les vacances. C'est iral. C'était en très bonne santé si tu râles comme ça, je crois. C'est signe de bonne santé. Donc là, on va rejoindre Laure et Anthony sur le port de Tours pour prendre le bateau, voilà, tout simplement. Et il y aura. Ça va, chérie? Ouais. Donc voilà. C'est-à-dire que. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. En fait, là, c'est les gens qui vont à Bastia, mais il n'y a personne. Mais il n'y a personne. Et là, c'est les gens qui vont à Ajaccio. Voilà. Comment vous dire? On a encore choisi le bon bateau. Sinon, on vient d'avoir Laure et Anthony. Ils sont juste derrière nous en fait. Ils doivent être 10 voitures derrière nous. Donc on va tous se retrouver là. Donc on va être parqués en attendant d'entrer la voiture dans le bateau. Et Laure, elle est trop contente de parler en pleine peau. Enfin, elle dit rien, mais elle est trop contente quoi. Tu veux monter sur le bateau, chérie? On n'a pas entendu parce que papa il tousse. Tu veux monter sur le bateau, mon cœur? Oui. On dit comment? On dit oui. Et donc voilà un peu comment ça se passe. On est un peu au radar quand même. Va falloir choisir les affaires qu'on monte sur le bateau, ça compte pas. On est super loin du bateau là. Bah, on sait pas lequel c'est surtout. C'est plutôt loin du port. Tu vois, il y a quand même un peu de monde hein. Bastia, finalement. Oui, bah oui, je suis bloquée par les voitures. On essaye de rejoindre Laure. Laure! Oh non! Oh non! Merci. Allez, vite! Ça y est! Regardez qui c'est qui est là! C'est Laure et on vient de se faire. On s'est fait harponner par une gentille abonnée avec ses parents. Oui, oui. Qui part en vacances aussi. Qui prennent le même bateau que nous. C'est que ça nous est arrivé sur l'autoroute hier. Ah ouais? Ouais. Là, ça y est. À croire qu'ils partent tous en vacances au même endroit que nous. Toi, t'as déjà pris des belles couleurs sur les épaules. Ouais, hein. Ouais. Attends, je me suis mis. T'es déjà bien rouge. Dans le paysage, là, Ouais. Tu t'entraînes? Bonjour, Deden. Elior est trop contente de retrouver son amour. Hein. Eden, il est un peu. Je me réveille doucement. Dans le gaz, vas-y doucement, maman. Et voilà notre bateau. On va monter dessus. On va mettre la voiture dedans. Enfin, bon, si on arrive à avancer, quoi. Clairement. Et je suis en train d'essayer de mettre en ligne le vlog là. 45 minutes. Ça va. Je pense que ça va doubler, voire tripler le temps qu'on rentre dedans. Quoi. Je sais pas si on capte la 4G dans la cale. Ton avis? C'est cool. C'est quoi toi? T'as vu, on monte dans le bateau, chérie? C'est pour les voitures. Et bah les voitures, elles montent dans le bateau. Comme nous. Là, sur ta ligne, mec, pas compris de toi. Ça va très très bien. On s'est calé pour le petit déj. Eliora, elle est en train de s'amuser sur l'iPad. Le vlog, ça y est, finit d'être en ligne. Là, je vais boire mon café, mon jus d'orange. Et j'ai mon petit croissant là qui m'attend par ici. Ah, bah, il y a Laure qui est en train de m'appeler.
y est, toute la petite troupe est installée. Anthony, il est comme Loïs quoi, il n'est pas du matin. Je veux pas être sur YouTube. Tu veux pas être sur YouTube? Non, mais on accepte pas. Tu veux pas être quoi? Sur YouTube. Je connais pas. Sur YouTube. C'est quoi YouTube, Anthony? Explique-nous. YouTube. Bah c'est simple, sur YouTube tu tapes n'importe quoi, tu trouves des vidéos. C'est quoi ton métier là? On vient te voir. Fais mon cœur. On va au jeu? Hein? Oui? Oui. Bah alors tu fais quoi mon cœur? Ouais vas-y. Et coucou. Coucou. C'est bien, ça te plaît ça hein? Bon gros craquage on... Attention les gars. Gros craquage, on a décidé de prendre une cabine. Et regardez-moi ces deux-là, là, les deux amoureux. On a pris une cabine tous les quatre, on a quatre filles. Et papa lui, c'est déjà en place. Je crois que je vais me mettre à côté de lui. Maman. Oui. C'est pas celle-là, tu veux l'autre? Oui. D'accord. Deux. Eh ben alors, regarde celle-là, je vais t'en donner une autre. Et voilà. Il va être 14h. Il y aura à succomber à la fatigue. Hop. Papa Loïs, il était en train de s'occuper de Deden. Là, vous voyez pas parce que Deden a finalement fui en croyant que sa mère partait. Anthony est là. C'est pas bien, mais. Laure est avec la petite. Tous les enfants sont fatigués. Mais il n'y a pas que les enfants qui sont fatigués. Je crois que ça commence à bien se voir. Là, on est tous claqués. Et nous voilà arrivés dans la maison. Enfin, oui, dans la maison qu'on a louée pour cette semaine. Oulala. T'as un lit de grande pour les vacances? T'es cotate? Ouais. Bravo mon cœur. Bon ça y est on est arrivé, je vais vous faire le home tour de la maison. Donc je vais juste commencer. Oui chérie? Viens. Donc là tout le monde est dans l'entrée, de toute façon ils ont tous décidé de squatter. Anto il a déjà fait péter le Marcel. Ouh. Attends, vacances. Et c'est ça, c'est du muscle ça. Ça c'est du muscle ça. Elle est vraie ouais. Non ça là. Ça c'est du muscle ça. Bon tu vas venir nager avec moi toi, tu vas venir nager avec moi. Ça fait deux semaines que j'ai arrêté mon sport parce qu'en fait je me suis dit ça servait à rien. On a invité de partout, on fait barbecue tous les soirs. Et en fait je me crevais le cul au sport pour rien parce que là je mangeais comme de la merde. Donc j'ai dit juillet, août, j'arrête. Un peu de gros mots, un peu de... Oui excusez-moi. Mais comme d'hab hein, je veux dire. À chaque fois qu'il passe dans mon vlog, Anto il dit des trucs comme ça. J'ai dit juillet, août c'est fini, je reprends en septembre. Ok ça marche. Bon. Tu t'as dépensé des tuyaux. Tu m'autorises à faire le home tour de l'appartement maintenant, c'est bon? Allez vas-y. Alors, vous avez le salon. Donc du coup l'entrée c'est là, il y a des super luminaires qui sont canons. Vous avez sur la gauche une première chambre, c'est la chambre de Lily Rose apparemment. Ouais, coucou ma Lily Rose, t'es bien là? Coucou. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me racontes des trucs trop intéressants là. Oh oui. Oh oui, ça fait des bulles. Donc voilà la première chambre qui est super belle. Il y a Yura qui râle. Là c'est la cuisine. Elle est juste magnifique. En plus c'est une cuisine au gaz, juste comme j'aime. Elle est complètement dingue. Avec un joli petit extérieur avec le panier. La table, c'est franchement super beau. Je fais vite hein, parce que sinon on en a pour 100 ans. Donc elle est très grande. Là on a une salle d'eau avec une douche. Voilà. Ensuite ici vous avez un grand salon super beau. Franchement j'adore la déco. Et franchement j'ai flashé dessus sur Abritel, on l'a loué. Et Laure et la fille des propriétaires qui nous a fait la visite, elle a reconnu Laure. Elle la suit sur YouTube. Ouais, elle m'a fait mais tu fais pas des vidéos. Donc là vous avez un grand couloir. Vous avez des toilettes. Vous avez un bébé lit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux retirer tes tines que je comprenne ce que tu me dises? Tu veux pas rester toute seule là-bas? J'arrive. Là vous avez une autre chambre. Je pense que c'est celle de Laure et Anthony. Encore une chambre. Qui est celle de personne. La salle de bain qui est magnifique avec la baignoire.
C'est joli, hein. J'adore le carrelage. J'aime trop ce genre de carrelage. Je trouve ça oufissime. C'est très bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, c'est le placard à balai. Voilà. Hop. Attention. Oh, attention, mon cœur. Ici, c'est la chambre de Papa Louis et de Maman Becca. Voilà. Bah, bien sûr. Ah, c'est où l'iPad? Viens, amène-nous dans ta chambre. Tu nous montres ta chambre? Ouais. T'as une chambre de grande? Vas-y. C'est la chambre de bébé Ellie, ça? Waouh! Elle a une jolie petite chambre avec un bureau et un beau placard. Le placard, j'adore, il est dingue. Ça va? Ça te plaît? Tu me montres comment tu fais sur ton lit? Tu t'installes. Elle a retiré ses chaussures toutes seules et s'est installée au milieu du lit déjà. Elle est au top. Elle grimpe. Et voilà! Tu fais de la gymnastique? Non. Non? Bon, je vais voir Laure parce qu'elle m'a appelée, d'accord? C'est vraiment génial ça. Loïs, il kiffe Waze. Ouais. Bon, on est de retour dans la voiture avec Papa Loïs, Papa Anthony et bébé Ellie pour aller faire les courses. Laure, elle est restée dormir avec ses deux loulous là. Ouais, Laure, je sais pas si elle dort. Non, elle surveille, mais je crois que Laure, c'est la moins résistante là. Mais elle a encore la pauvre. Mais tu vas là. Parce que vous voulez aller au Leclerc? Ouais, ce sera moins cher. Ce qu'elle nous a dit, la petite. Donc voilà, comme ça, vous connaissez toute l'organisation, hein, papa. Il y a tabac. Voilà, merci. C'est bien. Non, c'est bien, j'aime bien. Mais même Anthony, il a dit à droite. Ouais, j'aime bien, non, mais j'aime bien. Quand je dis que c'était à gauche. On va chez Leclerc parce que c'est moins cher. Bon, encore la preuve, les enfants, que papa Loïs a toujours raison. Voilà. Et on va chez Leclerc parce que c'est les moins chers. Et voilà. Donc du coup, là, c'est parti pour faire, je pense, la majorité des courses de la semaine. On va faire, c'est ça, hein. La majorité du rosé, ouais. Voilà, Loïs, lui, tout ce qu'il veut, c'est le rosé. Bah, je suis pas seul, hein. Moi, il y en a un derrière aussi, c'est important. Moi, je suis. Mais on va acheter les glaçons déjà faits, chérie, parce que. On va acheter les glaçons déjà faits, hein. Non, il y en a des glaçons, mais c'est quand même super simple de mettre. Les bars, ils sont pas prêts pour ce soir, hein. Mais il y en a pour ce soir. Ah, il y en a pour ce soir. Au pire, je crois qu'on s'était pas occupé de ça, nous. Les glaçons. C'est la première chose qu'on a fait quand on est arrivé avec. Vous en fichez de tout ça. Vous en fichez. Bon, allez. À tout à l'heure. Non mais regardez la taille de ce poisson. Ça, j'ai jamais vu ça dans une poissonnerie à Paris, hein. Énorme comme ça, t'as déjà vu, chérie? Je sais même pas ce que c'est, un poisson lune. Bon, Anthony prépare la fin de l'apéro et je prépare à manger pour les enfants. Je profite pour goûter aussi parce que. En fait, Anthony coupe le saucisson. Vu que moi je mange pas de porc, je le coupe pas. Oh, pardon. Voilà. Et les enfants, je leur fais haricots verts nuggets et j'ai dit que je leur mettais des petits surimi pour l'apéro avec des petites chips. J'aurais pris pour leur faire plaisir, j'aurais pris des petites chips aliens. Oui. Bon, il y en a une qui râle. Ouais. Pourquoi tu râles? Oh. Et il y en a deux qui sont à table là. Bon appétit les loulous. Bon, j'avoue, c'est pas l'idéal forcément de laisser manger debout, mais là au moins la table est à leur hauteur. On va pouvoir les voir si nous on veut prendre l'apéro sur la terrasse. Ils vont pouvoir manger tranquillou. Et ils ont leur petite surprise en plus. C'est bon, Deden? C'est bon? Oui, c'est beau, ça te plaît le surimi, hein? Le Bailey, tu manges? Ah, oh, tu m'as vu, toi. Deden, il mange l'assiette, hein? T'es venu, ma poupette. Ah, papa, il a pris le relais. Papa Anto. Non. Je viens de faire le live sur l'insta de Papa Louis, c'était juste complètement dingue. Je
fais, Taylor? Tu veux de la lumière ou pas? Non, je vais fermer mes volets par contre après. Voilà, donc voilà, vous êtes dans l'action. Je vous mets dans la cuisine parce que c'est le seul endroit où il y a encore de la lumière, vu qu'ils ont peur des moustiques. Et là, je m'apprête à préparer à manger, mais du coup, je vous avoue qu'on est tous cassés, donc je pensais clôturer le vlog. Je vais aller chercher les garçons. Laure, tu viens? Ah, compliqué. Oui. Il y a marqué échec du partage de la vidéo, réessayer. Quand oui, réessayer. Mais ça va, ça échec, prendra le temps échec. Que ça prendra. C'est parce que t'es pas connecté en wifi peut-être. Si, je suis en wifi, mais j'ai pas beaucoup de batterie. Ça vient peut-être de là. Non, mais ça prend un peu de temps généralement le partage. Hello. Ouais, enfin non, on s'est déjà vu beaucoup aujourd'hui. Ouais, on s'est vu beaucoup, ouais. Et puis c'était surtout pour clôturer le vlog. Donc du coup, on espère que cette petite vidéo vous a plu. On vous dit à demain et on vous fait des gros bisous. À demain. Bon. Bon, ben Anthony. Lui, Anthony veut pas vous dire à demain. Lâche la PlayStation, Anthony. Je suis sur Insta. Je réponds à vos coms.